Alors on vous retrouve avec Jessie parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de sortir toutes les tasses et les bols de Noël. Enfin pas tous, hein. Chaque année je change un petit peu parce que mine de rien, et on a une petite collection de tasses de Noël à force. Mais j'aime trop ça, passion mug. Donc ce que Jessie est en train de vous montrer, c'est celui que j'ai ramené pour elle. J'en ai deux en fait, c'est en forme de petit sapin comme ça. Et un sapin. Ça, tu vas pouvoir boire le matin, ça craint rien, ça casse pas, c'est trop bien. Oui, il te plaît? Ça se casse. Oui, alors du coup, j'ai sorti cette fois-ci les petits bols comme ça pour mettre les petits chocolats. Je trouve ça trop mignon. Une petite tasse avec un bonhomme de neige. Ça, c'est pour le chocolat chaud le matin, ça peut être super sympa. Moi, j'en ai bu ce matin. Ah ouais. Ceux-là, parce que je les trouve kiki, voilà, avec les petits motifs un peu comme sur des pulls. Là, oh là là, celle-là, elle est grosse, elle est lourde pour toi. Celle-ci avec le petit paysage et le Papa Noël qui est près du feu avec le nounours et tout. Ouh là là, elle me fait peur quand elle les attrape, Sam. Ceux-là sont aussi avec les petits lutins. Ils sont trop beaux. Et ça, et un autre Papa Noël. Ouais, c'est un autre petit Papa Noël. Et moi, de ce côté-là, j'avais les deux petites tasses comme ça, avec les poignées peintes d'épices. D'accord, tu la portes bien. Hein. Et le petit sapin, le petit bonhomme dessus, et le chocolat qui coule et tout. C'est trop, comme une glace au chocolat. Ouais, t'as raison. Et celle-ci, pareil, j'en ai deux, mais j'en ai sorti qu'une. Vous savez, c'est celle avec le petit sapin inversé, en fait, la petite étoile et tout. Donc voilà. Elle te plaît, les tasses? Oui, c'est pour moi, pour que toi. Oui, mais tu sais quoi? J'ai une autre petite surprise pour toi. Faut que tu fermes les yeux. Oui, ferme les yeux. Tu fermes, tu te retournes par ici. T'es prête? Vas-y, ouvre les yeux. Alors, il est pas trop beau ce verre avec la paille et tout? T'as vu, il y a des petits bonbons, des sucres d'orge et tout. Et là, il y a des paillettes. Il te plaît? Oui. Bon, bah maintenant, je vais ranger toutes les tasses. J'avais fait un petit peu de place, hein. J'avais enlevé toutes celles qui sont pas forcément de saison. Mais pour le coup, je sais pas si j'ai fait assez de place pour ranger tout ça. On va voir. Et je vous retrouve dans mon studio avec mon nouveau poncho à carreaux pour Noël. Et oui, en fait, Sam a regardé la vidéo dans laquelle je vous disais que j'étais trop contente qu'il m'ait offert le poncho blanc avec les cœurs et que effectivement, bah, celui à carreaux, c'est vrai qu'il était sympa pour Noël, mais que voilà, pour le reste de l'année, blablabla. Bla. Et du coup, il a craqué, bah, il m'a offert celui que je trouvais sympa pour Noël pour que je l'ai aussi. Et j'ai même les chaussons qui vont avec. Sam, si tu passes par là, merci beaucoup. Il est trop beau, j'adore. Du coup, je vous retourne dans mon studio parce que je voulais absolument vous parler d'un nouveau babyphone qu'on utilise pour Jessie depuis quelques jours et qui est juste extra. C'est la marque Momcozy qui me l'a envoyé pour que je le teste. C'est le modèle BM01. Et comment vous dire que du fait que notre premier babyphone en fait buguait depuis très longtemps et qu'on se disait c'est pas possible ce babyphone, il marche plus quoi, il faut qu'on change. Déjà, j'étais super ravie de pouvoir tester celui-ci. Et en plus, maintenant que j'ai testé, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Ce babyphone est génial. Déjà, il a un écran de 5 pouces. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme l'écran est grand, on peut super bien voir bébé. Alors là, la chambre est vide, hein, bien entendu. C'est pour vous le montrer que je l'ai allumé. On peut agrandir. Et au niveau de ce que vous voyez là, on est en vision nocturne puisqu'il fait très sombre dehors, quasi nuit. Et bien entendu, quand on regarde la journée, c'est en couleur, l'image est hyper belle, hyper nette et tout. Bah là aussi hein, d'ailleurs, hein. Je pense que vous pouvez le voir, l'image est super sympa. La caméra qui est installée dans la chambre de bébé et qui s'installe entre nous hyper facilement puisqu'il suffit, si on souhaite la poser, de la brancher sur secteur et de la poser, comme je vous le disais. Sinon, la fixation qui est vendue avec permet de l'accrocher au mur très simplement aussi. Et elle filme en 1080, donc haute définition, ce qui explique la qualité de l'image. Et comment vous dire qu'il y a plein d'autres fonctions hyper intéressantes. Déjà, on peut communiquer avec l'enfant via le petit bouton là. Donc ça, c'est hyper cool parce que moi, je m'en sers énormément étant donné que Jessie dort à l'étage et vous le savez peut-être par rapport à la configuration de la maison, nous pour aller de sa chambre à l'étage, il faut qu'on retourne jusqu'à la cuisine et qu'on remonte les escaliers. Donc on a toujours utilisé le babyphone jusqu'à présent et on va continuer encore un petit moment parce qu'on se dit qu'elle est tellement loin qu'au niveau du son, si elle nous appelle, on va pas l'entendre, etc. Donc on a besoin d'avoir un système de surveillance et aussi parce que quand elle joue, du coup, elle est à l'étage et je suis jamais trop tranquille par rapport à ça. Donc quand elle va dans sa chambre, j'allume toujours le babyphone pour pouvoir la surveiller, pouvoir échanger avec elle, lui demander si tout va bien et tout. C'est juste trop bien et je dirais même indispensable. Et ce qui est génial, c'est que c'est une caméra 360. Donc en fait, quand l'enfant est en train de jouer, admettons, et qu'on veut le suivre dans la pièce, on va pouvoir à distance tourner la caméra pour voir exactement l'endroit que l'on souhaite voir. Donc ça, c'est trop trop cool aussi, parce que moi c'est vrai qu'avec l'ancien j'avais des zones que je voyais pas quoi. Et ce qui est trop cool aussi, c'est que ce moniteur est rechargeable en fait. Il y a une batterie à l'intérieur qui est assez grosse, 5000 mAh, et qui permet de tenir plusieurs jours. Ça dépend aussi de combien d'heures on va utiliser le babyphone, et ça veut dire aussi qu'on peut l'emporter partout avec soi, puisqu'il suffit de brancher la caméra, mais ça c'est rechargeable, donc je peux me balader avec. Ce qui explique que je puisse l'emporter dans mon studio, et également du fait que la portée est de 300 mètres, donc on peut être relativement loin et très très bien capté. Donc ça c'est hyper pratique pour moi qui ai besoin parfois de venir dans mon studio, et comme ça je peux quand même garder un œil sur Jessie, sachant qu'en plus on n'a pas besoin de connexion internet, pas besoin de wifi, le moniteur et la caméra sont connectés directement ensemble. D'ailleurs on peut aussi connecter 3 caméras supplémentaires et on peut gérer donc 4 caméras avec le même moniteur, donc si vous avez plusieurs enfants c'est top aussi. On peut également, pour les enfants plus petits, déclencher une berceuse, et il y a plusieurs petites musiques, donc ça c'est cool pour si on veut les endormir, voilà, avec une petite musique sympa. Bien entendu on peut régler les volumes. Que vous dire de plus, si ce n'est que ce babyphone est génial. En plus je trouve que le prix est hyper correct. Bien entendu je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver, et n'hésitez pas à me dire si vous le connaissiez déjà, si vous l'avez déjà testé, si c'est celui que vous utilisez peut-être, et si vous en êtes content, parce que franchement il est génial. Il a toutes les fonctions que je trouve indispensables pour pouvoir surveiller un enfant. Le fait de pouvoir bouger la caméra à distance pour voir tous les coins de la pièce, de pouvoir interagir avec l'enfant si besoin, mettre une petite berceuse, également la vision nocturne qui est vraiment de très très bonne qualité grâce à la caméra HD. Non, franchement je le trouve génial. Je regrette de ne pas l'avoir testé avant parce qu'il est trop cool. Donc voilà, sur ce je vais aller le remettre à sa place parce que là Jessie ne dort pas, donc je n'en avais pas besoin ici, c'était juste pour vous en parler, et je vous dis à un petit peu plus tard. Recoucou mademoiselle. Coucou. Mais dites-moi. On a une surprise. Bah, j'étais en train de me dire, on a rentré quelque chose dans la maison. Oui. Jessie l'a vu, oui, mais pas plus que ça. Et c'est peut-être le moment de le brancher. Ça pourrait. Oui, en tout cas j'ai rentré de l'école. Oui chérie, tu l'avais vu rentrer de l'école, mais tu l'as pas vu brancher. C'est qui? C'est Olaf. C'est Olaf. Oh, il est vraiment grand. Il est grand. Comme ça, on va l'allumer quand je vais dormir. Non, c'est pas tout à fait ça qu'on avait prévu avec papa. On avait plutôt prévu de le mettre à côté du sapin. Regarde, il va être trop beau à côté du sapin de Noël. C'est pour le mettre dans ma chambre aussi. Mais non, c'est pour le mettre à côté du sapin de Noël. C'est pour que le papa Noël, il le voit quand il vient. Oh là là, qu'il est beau, là. T'as peut-être besoin de quelque chose pour couper tout ça ou non, c'est bon? Je sais pas, je vais regarder. On dirait que tout est attaché. Et il a des bras normalement. Ah, regarde, ils sont au fond. Il a des bras normalement. Bah oui, il faut donner ça à papa. Fais attention, c'est fragile. Et il y a quelque chose qui est collé au fond de la boîte. Je vais pas réussir à l'enlever comme ça. Du bon côté. Les bras doivent être du bon côté. Ils doivent être tout enroulés. Dans la petite boîte, c'était la prise en fait. Parce que là, effectivement, tu as le bout. Oh là là. On lui met ses bras. Je me disais bien qu'il lui manquait quelque chose quand même à Olaf là. Oui, c'était les bras et la brosse. Et ses petits cheveux. C'est trop rigolo. Oui, sont des bras, ses petits cheveux. Ça y est, Olaf a les bras. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Oui. Oui. Yeah. Wow, il est trop beau ce Olaf. Voilà. Et c'est un petit peu comme si tu étais la reine des neiges puisque tu as Olaf dans ta maison. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Un jouet. Aussi, oui. Il est trop beau. Oh. Et maintenant, c'est l'heure des calendriers gourmands. Et c'est parti. On ouvre les cases. 9. Où est le 9? Ah, moi, je le vois. Waouh. Wow. C'est des Smarties. Oh, c'est une petite boîte de Smarties. Je voudrais, chérie. Ah oui, c'est des Smarties. C'est sympa. T'inquiète pas, je les laisse ici. Ici, on peut ouvrir. On l'ouvre pour Gina. Voilà. Il est gros. C'est une grosse case. Et Plus de force, madame. Kinder Country. C'est pour papa. Si Jen elle était là, il y aurait bagarre avec toi, je crois. Oui. Mais comme elle n'est pas là, c'est pour moi. Il n'y a pas bagarre. Jessie, elle veut tout manger. Le 9. Là, regarde, chérie. Oh, il était bien caché sur du bleu. C'est où il fouille. Oh. Ah, quand elles sont enfoncées comme ça, c'est difficile de les ressortir. Attends, en fait. Celui-ci est difficile de te ouvrir. Oui. Et en plus, j'aimerais pas lever celui d'à côté. Ah, et là, je suis en train de le faire. Tu vas peut-être faire levier avec quelque chose de fin. En fait, c'est parce que le bonbon est pris là. Ah mince alors. Enfin, la surprise. La gourmandise, quoi. Ouais. Attends. On va pas y arriver. Alors, c'était quoi? C'est un petit Kinder. On s'est donné du mal pour un petit Kinder. Ouais. On passe au calendrier. Les nougats. Les nougats. J'ai le droit de chercher aussi parce que c'est un petit peu le mien quand même, le calendrier des nougats. Ah, c'est un nougat. Alors, je vais pas dire simple. Pas forcément nature. Pas forcément nature. Parce qu'ils sont pas forcément nature. Un nougat. Ah oui, on dirait que c'est à l'orange, t'as raison. Parce que ici, à l'orange. Oh, waouh. Maintenant, celui de papa. Déplacement. Bah non, Côte d'Or, c'est pas celui de papa. Là, si, c'est à papa. Non, c'est à papa et maman. Côte d'Or, on partage. Tu vas voir, sinon t'es Toblerone. Bon, tu t'es gênée pour en manger? Non. Wow. Ah, super. On les aime, ceux-là. Oui. Hop là. Ensuite, le petit calendrier Milka. Non. Nougat. Là, chérie. Milka, maman l'a dit. Milka, c'est où qu'il faut rire? Je me souviens plus. Si je me souviens plus, une grosse casse. C'est une grosse casse, hein? Non, c'est parce que t'as cru. C'est celle d'à côté. Allez. Oh, il y a un petit peu de triche là. Oui. Waouh. Tu le mets là? Hop là. Du coup, le calendrier de maman et papa. J'ai dit maman en premier volontairement. Ici, mon cœur. Il dit rien, c'est pas drôle. Non, il est à moi, j'ai pas besoin. Moi, je lui ai dit qu'il est à papa. Wow. Oh, un classique. De toute façon, ils sont tous bons. Ouais. Mais non, c'est super. Maman, on va voir si c'est un chocolat. Oh là là, il est loin, là. On va voir si c'est un chocolat. Un chocolat noir? Non, chocolat. Ah bah si. Vas-y. Oh, ici. Oui, c'est un normal. Oh non, il n'est pas pour moi, il est pour Jen. Non, non. Tu le mets? Et maintenant, on passe au... Allez, on y va. On commence avec lequel? Le calendrier Astérix. Ici, chérie. Ça, c'est comme... Ça, c'est un 6. C'est dans l'autre sens, le 9. Il est ouvert. Là, c'est le 9. Il est tout en haut et il grandit la case. Tu crois? Je crois qu'elle aime voir des grandes cases partout parce que c'est cool. Oh, ça va en haut, ça. Les gogos, les gaulois. C'est ça. Voilà. Regarde, elle a trouvé. Bravo. Bravo, chérie. Championne. Il va être trop beau ce bateau après. Oui, vraiment. Alors, on passe à celui-ci. Ici. Wow, elle est toute petite. Spider-Man. Oh, trop beau. C'est Spider-Man. Je le montre de près. Il est canon. Waouh. On n'a pas fait MC. Oh, bah alors là. Oh, ça, c'est une grande case. C'est où qu'il faut ouvrir? Au milieu. Au milieu, chérie. Et tu ouvres les deux côtés. Appuie, chérie. Voilà, super. Et tu tiens. Vas-y, je tiens. Oh, is. Bravo. Oh là, il va y avoir du boulot. Il y a des petites pièces. Oh là là. Oh, c'est un meuble. Oui. On dirait un petit meuble avec des tiroirs, des choses comme ça. Ça va être sympa. Il est où le numéro 9? Et on passe aux petits animaux de la ferme. C'est là. Oui. Oh. Ah. C'est pas facile. C'est quoi? Ah, tu as mangé. Ah oui? C'est une laitue. C'est ça, c'est une salade. C'est une petite laitue pour les animaux, t'as raison. C'est trop chou. Et du coup, c'est l'heure de passer l'autre côté. Pour aller ouvrir les calendriers. Beauté. Oui. Bravo, chérie. Et donc, c'est parti. Je commence avec le Sephora, case numéro 9. Oh. Alors déjà, c'est un crayon Makeup Forever. Ouais. Donc ça, c'est très très cool. C'est une marque que j'aime beaucoup. Est-ce que tu vas réussir à ouvrir les ouvertures faciles pour voir ce que c'est? Attends. Oh, c'est un aquarésiste. C'est un waterproof. Et on dirait qu'il est marron. Il est marron. C'est crayon pour les yeux ou autre chose? C'est genre sourcils ou... Ah, d'abord, je sais... Le papier. Ouais. Ça y est, oui. Ah, donc Makeup Forever. Ok, donc Sharp. Oh, ici il y a le petit truc pour le tailler. Pour tailler. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est pour les yeux? Vas-y, fais un swatch. Oh oui. C'est beau. Il est un petit peu pailleté. C'est bronze. Ouais, ça se voit pas très bien. Attends, on va montrer la mine parce que je trouve ça intéressant. Le fait que ce soit... C'est comme du beurre, il s'applique super bien. Comme ça. C'est vraiment super cool. Et en fait, on tourne pour faire sortir et on peut tailler. C'est super sympa. Et vraiment, il s'applique très très bien. Il est pas trop dur. Très très joli petit cadeau. En fait, vu que tu regardes pas, on pourrait même enlever les trucs blancs au-dessus, mais je trouve ça rigolo. C'est vrai. Puis du coup, regarde, ça sort de partout. Oh. La couleur a l'air très intéressante. Smooth Whip. C'est comme celui qu'on a hier. C'est ce que j'allais dire, c'est ça, hein, c'est comme celui qu'on a hier. Oh, toi qui voulais tester cette couleur. Oui. Oh, trop cool. Oh, ça sent bon. Ça sent quoi? On dirait que ça sent un peu le chocolat. Bah ouais. C'est pas marqué? Non, c'est pas marqué, mais ça sent le chocolat. Ouais, grave. L'autre, il sentait la cerise. C'est ça. Ah, waouh, c'est ouf. Donc, c'est intéressant. Pour le coup, ça sont des rouges à lèvres, des produits que je connaissais pas. Donc, c'est vraiment comme du beurre. On n'a pas encore testé, mais la couleur est jolie. Ouais. Très très chouette. Je continue avec le calendrier Florence Nature. À chaque fois, on fait une voix... Ouais. Sur Florence Nature. C'est vrai. Waouh. Oh, j'adore les trucs à la rose. Ah, là par contre, j'ai vu passer un petit sachet de thé. Hein. Ce que je disais, faut pas... Non, c'est pas grave. Oh, il est là. On va le remettre là. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous l'avez rien vu. J'arrive pas. C'est pas grave, on le fera après. Ouais, ok. Un décor hydratant à l'eau florale de rose. Ah, c'est chouette. Ah, oui, très très sympa. On continue avec Adopt. Ah, bah, c'est du bon côté. Oh. Oh. Attends, je laisse ouvert pour que tu remettes le petit... Rose. Ça fait délicat. Tout un programme. Après, rose noire, rose diamant. C'est vrai. Attends, je vais le mettre là. On est prêt? T'es prête? Ouais, on est prêt. Ouais, mais c'était pas dans le bon sens. Je me suis dit, elle va le... Il y a des paillettes! Il y a des paillettes? On les voit pas bien là, mais t'as vu, il y a des paillettes. Oh. C'est écrit au parfum tout petit. Vas-y, 1, 2, 3, 4. Oh, j'adore. Oh, ça sent bon. Doux. Ouais, c'est hyper doux. C'est léger. Ah bah, je suis nulle pour décrire les odeurs. Hein. Je n'ai toujours pas progressé à ce niveau-là en quelques jours. Mais c'est sympa. Ça fait un peu floral, mais très doux. Ça sent propre, j'ai l'impression, tu vois. Il faut le sentir. Là, je suis pas capable de vous décrire plus que ça, mais... Et les parfums sentent vraiment bon. J'adore ça. Je suis fan des parfums. Du coup, je continue avec... Lino. Trop bien, j'en ai plus. Génial. J'ai plus de démaquillant. Et là, c'est parfait. En plus, c'est pour les yeux. C'est pour le waterproof en plus. Express yeux, ouais, parce que c'est un Makeup Remover, lotion démaquillante non gras. Ça c'est cool. Trop bien. Voilà. Ça c'est vraiment le petit genre de produit qui sert toujours. Tu shakes. On continue avec les devinettes. Ah, trop cool. Les devinettes. Alors, voilà. Concentrez-vous sur le positif. Attends, concentrez-vous sur le positif. Peut-être c'est un petit truc concentré. Vitamine, c'est laquelle qui est sur genre avec de l'orange et tout, vitamine C. Ouais. On part vraiment dans des trucs. Concentrez-vous sur le positif, plus c'est pas moins. Plus d'hydratation, plus... ouais. Peut-être c'est un concentré d'hydratation. Ou concentré d'un truc booster. On va ouvrir. On donne notre langue au chat. C'est quoi? C'est le nettoyant Ponette. Cleanse plus... probiotique. Nettoie plus tonifie. La devinette était pas très simple. Non, là pour le coup, on n'aurait jamais trouvé en fait. Ok, matin et soir, humidifier la peau, puis appliquer par mouvement circulaire sur le visage, les yeux et le cou, rincer. Ouais. Ouais, en fait, c'est parce que c'est un nettoyant, mais qui fait aussi du bien à la peau en même temps. Et il y a un petit plus de dessus, pardon, pas dessous. Du coup, ouais, positif. Ok, c'était un petit peu trop recherché pour moi. Ok. Trop près de moi, je vois pas parce qu'en fait je regarde toujours plus loin. T'inquiète, t'inquiète, je la remets au-dessus au pire. Mais non, parce qu'il y a le dessin. Si tu remets au-dessus, ça fait plus le dessin. C'est vrai, excuse-moi. Alors ça, vas-y, remets la boîte et on montre. Attendez, non. Alors ça, c'est une coïncidence de folie. Non. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas réussi. C'est le même? C'est le même. C'est le même? Oh, c'est le même. Un chaki. Trop bien. Attendez, je suis encore choquée. en fait, coïncidence de fou. C'est le même parfum, le même jour que dans le calendrier Adopt. Mais tu penses que dans... Peut-être qu'il y en a... Que dans tous les calendriers, c'est pas le même parfum Adopt. Peut-être. Donc ça veut dire que la coïncidence, c'est vraiment une coïncidence de folie alors. Et oui, parce qu'on nous a dit... On est trop jumelles. On nous a dit que dans le calendrier Blissim, on n'avait pas forcément les mêmes couleurs de vernis. Ouais, j'ai une copine qui avait eu... argenté, mais vraiment genre argenté, j'en ai une autre qui avait eu bleu. Donc ça, je trouve ça hyper cool parce qu'il y a quand même l'effet surprise de j'ai pas forcément la même chose que ma copine, les mêmes jours, enfin les mêmes coloris en tout cas. Et autant sur d'autres produits, il y a peut-être des différences. Dites-nous si vous avez remarqué par rapport à nos ouvertures et aux autres. Si vous avez t'avoue que quand j'ai ouvert et j'ai vu, j'ai fait... Bah, je comprends pas, c'est pas un calendrier. Il y a eu un petit moment de bug dans ma tête. Ça. On continue avec la coïncidence titane. Est-ce que c'est devant? Non. Non. Là. Ok, c'est qu'il y en a aussi à l'intérieur, hein. C'est vraiment super bien fait, j'adore. Oui, il y en a, ouais, là. C'est génial. Shampoing. Oh, shampoing, 5 tissus essentiels. Trop bien. Super. C'est à tester. Bien les shampoings. Et donc, on a terminé pour les calendriers beauté. On passe au petit calendrier café. Mon assistante est prête. La case numéro 9. Citrouille épicée? Oui. Oui, bah oui, moi je l'ai déjà eu 2 fois, alors je sais, ça tombe super bien. Franchement, ils sont tous très bons, ces petits cafés, donc voilà. Et du coup, on passe à la question du jour, qui est: avez-vous déjà préparé la liste pour le Papa Noël? En fait, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que c'est bon? Vous avez fait votre liste? Vous savez ce dont vous auriez envie? Ou est-ce que vous êtes encore à la recherche d'une idée cadeau? Ouais. Mmh. Moi, j'ai déjà quelques idées en tête, mais c'est pas très clair quoi. D'accord. J'ai ma petite fille sur mon petit téléphone. Moi, tu m'as envoyé des trucs, tu t'as commencé à faire la liste. Oui, mais parce que je suis chargée de faire des listes au Papa Noël. Oui. Je n'ai pas fait de liste. Personnellement, je n'ai pas fait de liste au Papa Noël. Voilà. Ben, en fait, j'en fais jamais. C'est ça, ouais. Même moi, de base, j'en fais pas. Le Papa Noël me connaît trop bien. Mais même moi, de base, je fais pas de liste. Mais hein. en fait, franchement, moi, je fais pas de liste parce que je suis pas... Plaisir, ouais, je suis pas compliquée. Et en fait, ça me fait plaisir, en fait. Ouais, c'est ça, genre... Un petit, voilà, juste plus pour marquer le coup, en fait. Et voilà. Ouais, je suis pareil. Mais oui... Ta petite sœur avait fait une liste aussi au Papa Noël. Oui. Moi, pour le coup, je fais pas de liste. J'évoque des trucs, mais... Ouais, enfin, quand tu m'envoies des liens, ça fait une liste à l'arrivée. J'avoue, cette année, j'ai fait une liste pour mon anniversaire et j'ai commencé une liste pour Noël. Moi, je fais pas de liste. Mais... Oh, t'as vu ça? Oh, t'as vu ça? Ok. Fallait pas dire. Elle fait des suggestions. Il n'y a pas une liste à proprement parler, mais il y a des suggestions. Donc, le Papa Noël sait plus ou moins dans quoi il peut piocher. Ah, je guide très bien le Papa Noël. Hein. Oui, grave. Du coup, dites-nous ce qu'il en est pour vous. Si vous êtes plutôt, justement, à faire une liste, à vous dire « Ah, j'aimerais trop ça, et puis ça, et puis ça. » Ou si, comme moi, vous préférez les surprises du Papa Noël. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de ce petit Vlogmas numéro... 9. On espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Alors t'es au courant par contre que le Papa Noël, quand il va faire la liste, il prendra peut-être pas toutes les suggestions. Hein? Non. Ah bon? Non, 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 je rigole. Allez, bisous à tous.